Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la même lignée que celle que je vous avais fait où on testait le resto de Cyril Lignac que je vous épingle juste ici. Alors cette fois je fais pas la même bêtise, je vais essayer de filmer avec ma caméra parce que ça va être sous forme de vlog. Aujourd'hui on teste leur système de dépass. Donc qu'est-ce que c'est un dépass? C'est en fait un package sur la journée que vous achetez auprès d'un hôtel de Lille. Et en fait, vous avez droit à passer la journée de 10h à 17h dans l'hôtel. Vous avez accès à la plage, aux activités nautiques, à la piscine, le repas du midi, avec ou sans les boissons. Ça dépend du supplément que vous prenez sur votre dépass. Là, en l'occurrence, on va avoir également accès à un cours pour faire du café, si j'ai bien compris, au goûter à 4h. Et profiter, bien évidemment, de la belle plage de Lille. Donc aujourd'hui, c'est au Royal Palm Beach. N'importe quoi, c'est... Aujourd'hui, Royal Palm Beach, c'est le restaurant de Cyril Lignac. Donc aujourd'hui, nous allons au Luxe Grand Gaube. Donc le Luxe, je pense, les hôtels les plus prestigieux de l'île. Il y a le Luxe Grand Bay qui est à côté de la maison dans lequel on va régulièrement. On n'a jamais fait le dépass, mais ça nous donnera certainement envie de le faire. C'est là où, vous savez, il y a la balançoire avec le rooftop juste exceptionnel. Donc là, le Luxe Grand Gaube, on est, je pense, une gamme en dessous. Mais... on a très envie, on est très content d'aller tester aujourd'hui ce dépass. Je pense qu'on va passer une très bonne journée. Après, je vous avoue qu'il a plu ce matin, mais je crois que le temps pour la journée s'annonce plutôt pas mal. Donc, je vous embarque avec moi toute la journée. C'est parti, let's go. Avant de vous embarquer avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Parce qu'il se peut que ce genre de vidéo sorte en vidéo bonus, puisque c'est un petit peu du hors-sujet par rapport à ma chaîne. Mais je sais que vous êtes très curieuse de savoir ce que je fais à l'île Maurice. Donc voilà, je suis très heureuse de vous embarquer avec moi pour cette journée. C'est parti, on y va. Bon, je sais pas trop ce qu'il faut emmener comme affaire. Je pense qu'ils fournissent la serviette de toilette. Mais voilà, j'emmène rien que ma caméra, ça prend pas mal de place. Ma petite pochette... je prends pas mes mots ce matin. Ma pochette Hermès, où dedans je mets en fait... tous mes produits solaires de la journée. Bon, après, je porte aussi les affaires de mon mari. Hein. On critique les sacs à main des femmes, mais en fait, ils sont bien contents de les trouver. Une batterie externe. J'ai mon livre, mon bullet journal. Et je prends un maillot de bain de rechange parce que pour aller manger à midi, je pense que je serais bien contente d'avoir un truc sec. D'ailleurs, je vais enlever cette pochette parce que trop de pochettes tue la pochette. Et tout ça dans mon Neverfull. Day Pass, on a droit effectivement également au café. Vous savez que le café c'est la vie pour moi. Donc là je vais me faire un petit frappé. Frappé caramel. Or salé. Saleté de caramel et peanuts. Ouais. On va faire un mélo à la bouche.
le petit bouton si tu veux appeler le serveur. C'est juste waouh, waouh, waouh. Je sais pas si vous voyez des petits trucks là où tu peux aller prendre des citronnades, des jus de fruits frais, des cocos. La flore ici, c'est juste... Franchement, on s'émerveille tous les jours. Vraiment. Serviette récupérée. Place à la détente. Il fait une chaleur. Laisse tomber. Donc on va appliquer la crème solaire, la base de la base. Et je vais essayer de vous filmer un peu l'hôtel en général, mais c'est... On est vraiment dans le luxe haut de gamme. C'est vraiment splendide, splendide, splendide. Et après, direction l'eau. En fait, tu as le choix, dans le Dépass, tu as plusieurs restaurants dans l'hôtel et tu as le choix d'aller dans celui que tu veux. Et on nous a conseillé d'aller au Bodrum Blue, qui est un restaurant turc. Et a priori, c'est le meilleur à faire. Après, il y a le Beach Rouge, mais on l'a déjà fait au Luxe Grand Bay. Je ne sais pas si c'est la même carte, mais en tout cas, c'est la même déco. Donc voilà, on va tester le restaurant turc pour aujourd'hui. Tu as faim ? J'ai chaud. Ouais, par contre, il fait une chaleur, il n'y a pas une pique d'air. Alors ne m'en voulez pas, je suis allée me baigner, je ne tenais plus. Puis en plus c'est le but de la journée, hein, j'ai envie de te dire. Bon, après on va pas se mentir, ils sont un peu perdus sur le day pass, je pense qu'ils ont pas trop l'habitude. Juste elle est venue. Mais je vous disais que voilà, ils savent pas trop en fait ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Ils sont un peu perdus. Mais bon, à voir la suite. Ah voilà, on vient de finir de déjeuner, c'était très bon. En triple à dessert, moi j'en peux plus. Le temps vient de se couvrir un petit peu. Donc on va laisser passer le petit nuage gris qu'on a au-dessus de notre tête. Et ensuite, j'aimerais bien faire une petite activité paddle. Donc en fait, sur les parasols, tu as un petit bouton, une sonnette sur laquelle tu appuies. Et ils peuvent te livrer de l'eau, du café frappé. Donc tout ça est compris dans le forfait Day Pass. Et là, après mon petit café, je vais faire une petite séance de paddle. Bon, le sac dans le sable, non, hein. Faut se reprendre là. C'est l'heure de la glace. Là, on arrive clairement sur une heure où c'est beaucoup plus appréciable. Il fait moins chaud quand on est arrivé. Bon, il y a l'air d'y avoir un petit peu de monde aux glaces, mais on attendra notre tour. C'est pas qu'on a envie d'une glace, hein, c'est vraiment l'appel de la gourmandise.
regardez-moi comme c'est cute. La voiture qui a été coupée pour faire des glaces. Alors, qu'est-ce que tu prends? Comment vas ton dingetje staan? Kun je kiezen? Thank you. Petite session paddle terminée, on ne se moque pas. Je t'ai moqué toi, je parle. Non, je te jure que non. J'aime bien le paddle. Et là, on arrive vraiment l'heure, un petit peu avant le sunset, il est 17h. Donc on est censé partir normalement, parce que je crois que le départ c'est jusqu'à 17h, mais vu qu'on est arrivé super en retard ce matin, on va jouer un peu les prolongations. Et on vous fera un petit débrief après de notre ressenti sur la journée complète. Juste petit retour sur les glaces, je valide pas, c'était pas très bonne. Toi non plus tu valides pas. Non, ça va, j'ai des... Ah oui ouais. C'est pas les meilleurs qu'on ait mangés. Non, c'est pas les meilleurs. Franchement, par contre, il faut retourner à Casa pour qu'elle nous donne l'adresse de son fournisseur. Il faut vraiment aller chercher des glaces vanille là-bas, elles sont incroyables. Vraiment, elles étaient très très bien. On est trop bien là, même au soleil, il ouais, fait... Là, c'est la meilleure heure. Ouais, le soleil ne brûle plus et c'est trop cool. Je voulais vous faire un petit point. On est sur les folies de Nani, je suis obligée de vous faire un petit aparté parce que je viens de voir passer une fille avec le cabas Woody de chez Chloé. Je vous incruste une petite photo. Il me fait envie depuis un moment ce cabas. Et là de le voir, ça a ravivé mes envies. Dites-moi dans les commentaires si c'est un modèle que vous appréciez vous aussi. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, nous sommes en train de plier bagages. Le soleil se couche. Et nous allons rentrer après une belle journée passée ici, c'était super. En fait, ils appellent ça l'arbre des vœux. Et vous voyez, il y a plein de petits papiers qui sont accrochés dans l'arbre. Et alors, j'ai pas compris quand ni comment, mais a priori, ils vont en sélectionner un. Et si c'est le vôtre qui est retenu, vous gagnez un séjour à l'hôtel. Le concept est juste top. Donc il y a la petite cabane où on prend les papiers. Je prenais un morceau de papier origami dans la boîte. Pensez à quelque chose que vous voulez manifester. Inscrivez votre vœu et pliez le papier selon la forme de votre choix. Une fois par an, un des vœux est décroché de l'arbre. La personne à qui appartient ce vœu gagnera un séjour de 2 nuits. N'oubliez pas d'inscrire vos initiales, la date et le numéro de la chambre. Wow. Ah, il y a même des idées sur comment plier le... Le stylo, la graffeuse, c'est génial. Bon allez, je vous le dis, normalement on ne dit pas son vœu, mais... J'ai marqué souvenir d'une journée inoubliable, je rêve de venir passer 2 nuits féerique. Les folies de Nani Instagram. Je suis pas hyper forte en origami. Hein. Arrivé à la maison, je ressemble un peu à rien, comme à quelqu'un qui vient de passer une journée complète sur la plage. Mais voilà, juste pour vous débriefer un petit peu de cette belle journée en day pass. Donc chose que je crois que je ne vous ai pas précisé, les accès comme ça à la journée dans les hôtels en formule tout inclus ou presque sont réservés exclusivement aux résidents. C'est-à-dire qu'il faut avoir la carte, le permis de résident pour pouvoir accéder à ces journées. Donc en tant que touriste, vous n'aurez pas le droit, vous, à faire une journée comme ça. Je ne crois pas, hein. Ça n'existe pas les dépasses pour les... Je pense que si. Mais... Ah, ou peut-être, mais pas, en tout cas pas au même prix. Voilà. Donc pour résumer, franchement on a passé une super bonne journée. Le petit bémol, on va dire petit point négatif, c'est qu'on n'a pas eu un tour de l'hôtel à notre arrivée. Enfin, je pense qu'ils étaient un peu perdus, ils ne savaient pas trop si on venait pour l'hôtel pour dormir ou si on était en dépasse, ils n'avaient pas l'air de trop connaître le truc. Donc c'est vrai qu'on était vraiment livrés à nous-mêmes tout au long de la journée. Il a fallu à chaque fois qu'on demande mais comment ça se passe quand on est en dépasse, machin.
Mais bon, finalement, il vaut mieux ça que d'avoir quelqu'un toujours derrière soi qui est en train de te dire ah non, ça t'a pas le droit, ça t'a pas le droit. Mais c'est vrai qu'en une journée, on n'a pas eu le temps de faire non plus tout le tour de l'hôtel. Parce que l'hôtel a deux piscines, on avait aussi accès au spa, on n'y est même pas allé. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire. Il y avait aussi, je sais, l'accès aux activités, et notamment il y avait une séance de stretching à 14h30 que j'aurais bien aimé faire, mais qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était encore à table à ce moment-là. Donc voilà, c'est le genre de journée que tu n'as qu'une seule envie, c'est de refaire. Et si je devais donner une note, je pense que je mettrais un petit 16 sur 20, je pense que ça serait bien. Après voilà, luxe, c'est une valeur sûre, c'est vraiment des, pour moi, les plus beaux hôtels de Lille. C'est aussi certainement les plus onéreux. Mais voilà, c'est un peu le jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous proposer comme contenu ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire aussi dans les commentaires ce que vous, vous pensez de ce que je vous ai montré. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !